dessous là. Bon après-midi tout bon du monde qui à l'écoute. Bon après-midi tout bon collègue. Mon chaque temps de la part tout bon l'assemblée, même l'assemblée secrétariat souhaite la bienvenue après-midi dans l'assemblée ministre La Rose, docteur La Rose, ministre finance avec son pièce paillette avec de l'équipe et pareillement tu dis bon matin nous pour prendre appropriation bill 2018 pour nous conclure nos débats nous pour donner ça des leaders un moment pour autres aussi faire certains statements avant ou bien non nous les non ministre pour faire son statement parce que ça des leaders nous pas tombe d'accord que autres pour causer sinon pour les causer all the better cause on a constaté quelque chose pour nous faire nous besoin cli nous tout nous peut s'organiser nous Christmas party il y en a certains nous pour organiser nous comité anyway speak for myself peut-être mais ministre de toute façon bien content pour avoir encore une fois dans nous l'assemblée. Peut-être nous commençons avec vous à faire un statement, le budget address, appropriation bill, et puis par la suite, nous avons. Ministre La Rose, on a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Speaker. Bon après-midi, Monsieur le Speaker. Bon après-midi, leader de l'opposition, l'honorable Ram Kalawan, leader government business, l'honorable Dikoma Amon. Bon après-midi également. Tout le monde, même l'honorable, dans notre assemblée. Et peuple cécilois qui a l'écoute. Monsieur le Speaker, il fait un an que nous travaillons ensemble pour nos pays Sicile. Et mon capable dit que nous avons accompli beaucoup, et bien sûr, il restait beaucoup pour faire à l'avenir. Monsieur le Speaker, l'aime un petit peu concevoir sa plan fiscal pour 2018, mon petit fait beaucoup de consultations, donc qui manière le gouvernement est capable amène un budget qui satisfait tous ces lois. Pour être honnête avec l'Assemblée et le peuple ces lois, n'a pas un ministre finance qui est capable d'amener un budget qui parfait pour une nation. Mais nous faisons le mieux possible pour satisfaire nos populations dépend de quantité de ressources qui nous en ont à nos dispositions. C'est pour cela que nous choisissons un thème travail pour prospérité pour tout le monde. Ce message est profond parce que ce budget, c'est pour tous ces lois. L'objectif national, c'est que nous puissions y bénéficier pendant que nous puissions investir pour l'avenir. Monsieur le Speaker, je répète un message qui m'a souligné dans mon adresse budget 2018. Pour faire plus de progrès, nous avons besoin d'implémenter un plan économique qui est stable, un plan fiscal qui est solide et soutenable. On a un service public qui est plus productif et efficace et suivre une politique durable. Ça, c'est la clé de nos développements. Monsieur le Speaker, mon désir lance un appel avec tout le ministère, département, l'agence et aussi la compagnie paraétatique qui, l'année 2018, nos ministères expectaient qu'ils aient une plus discipline fiscale et être plus efficaces dans leurs activités qui ont l'impact dans leurs budgets. Mon besoin admettre qu'il y a une comparaison avec l'année précédente. Il y en a un progrès. Mais nous ne sommes pas capables de faire un peu plus si nous ne travaillons pas un peu plus en collaboration. Monsieur le Speaker, le M. cause de la collaboration, on les remercie tous les membres honorables dans notre assemblée, et spécialement chairman et membres qui forment part Finance Public Accounts Committee, FPAC, pour sa relation professionnelle et cordiale qui existait entre sa comité avec l'exécutif. Monsieur le Speaker, la moitié profite de l'occasion pour féliciter l'honorable Ram Kalawan, chairman FPAC qui a été électé comme un membre de la Commonwealth Association of Public Accounts Committee, CAPAC, l'Angleterre.
Et pour les autres membres qui incluent l'honorable Sébastien Pilé, qui t'y accompagne, l'honorable Bram Calawan, Losa Journey, l'Angleterre. Et pour les autres membres, l'honorable qui font part de sa FPSC, on dit tout, félicitations aussi. On les aussi remercie, chairman et tout membre comité, le Government Assurances de l'Assemblée nationale, qui nous donne nos autres supports et pousse nous pour réaliser et délivrer nos promesses. Monsieur le Speaker, il y en a encore du monde qui m'ont les mentionné et remercié cet après-midi avant qu'ils m'ont terminé l'intervention pour l'année 2017. Parce que mon observation, c'est que session l'Assemblée pour cet après-midi est dédiée au ministère des Finances, Commerce et Planification économique. Monsieur le Speaker, permettez-moi de dire des mots de nos philosophies, bonne gouvernance, transparence et rendre compte. Sa philosophie, il y a une grande signification, très profonde, qui parfois nous prend à la légère. Sa mot « rendre compte », il pas implique juste ministère des Finances, Commerce et Planification économique, à cause que sa ministère garde compte et suivi l'activité nationale. Mais il également applique pour nous tous, ministère, département, l'agence et compagnie parastatale qui servent fonds publics. Si nous les faisons plus progrès dans l'année 2018 et à l'avenir, nous avons besoin d'une plus raisonnable dans nos activités sociales et économiques. Monsieur le Speaker, si nous les bénéficions avec plus d'investissements locaux et étrangers, il est nécessaire que nous changions nos mindsets. Nous avons besoin d'une nation plus productive et efficace dans nos engagements économiques. Parce que nos pays dépendent de tous ces lois, même s'il y en a étrangers parmi nous. Monsieur le Speaker, pour plus important que tout, pour ça, moi, nous en rendons compte les peuples ces lois. Il veut dire qu'à la fin de la journée, nous tous nos besoins rendre compte avec nos pays. Monsieur le Speaker, après que moi, mon voir l'Assemblée en action et qui nous engage dans une discussion budget pour fiscal 2018 et ce que nous nations s'ouvre le débat et fait beaucoup de commentaires le même sujet, mon note est qu'aujourd'hui nous arrivons à la fin de notre travail. En faisant sa remarque, mon confident qui tout l'honorable dans l'Assemblée cet après-midi avant même autres supports majoritairement et vote en faveur de sa budget qui nos populations peuvent expecter pour nous approuver pour une somme 7 935 937 193 €. Merci beaucoup, M. le Speaker. Merci, honorable ministre. Est-ce que le leader government business y a une remarque bref que vous voulez faire? Non? OK? Honorable leader de l'opposition, est-ce qu'il y a une brief remarque tous les faits, le basé le statement? Oui, go ahead. Yeah. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, ministre, éco-délégation. Et premièrement, laisse-moi remercier au ministre pour vos paroles, félicitations. Et mon croix qui tout ça, là, il va aider nous dans ce travail qui paraît de sa collaboration avec le ministère des Finances et tout. Monsieur le Speaker, moi, je suis content. Premièrement, dit qu'il est clair qu'il s'allonne de budget. Nous avons dit qu'il y a une grande amélioration. L'état bon différents départements, ministères, une vigne devant l'Assemblée. Et il est clair qu'il peut dire que ça scrutine passe d'une façon plus efficace, plus vite. Mais je m'expecte qu'il vous dit pas de salonner qui peut venir, ne va capable à travers FPSI principalement qui fait ce travail pour l'Assemblée, ne va capable, par exemple, au commencement de l'année, l'État nous regarde le rapport auditeur général, l'État nous pour faire bonnes hearings, et après ça, l'État nous peut faire de bonnes les autres investigations capables d'aider pour que le gouvernement soit capable de venir plus effectif, efficace. Et deuxièmement, Mr. Speaker, et ça y est un point qui nous dit, honorable
Nous disons honorable Sébastien Pilet, nous cause beaucoup là. Et qui FPSI en 2018, nous pas envie qu'il y ait un comité qui se fait l'autopsie. Mais nous envie qu'il vienne un comité qui fait ben live operations. Et déjà il y en a certains ben endroit que nous senti, il devrait être en ben l'investigation côté à travers auditeur général pour lui commencer regarder. Par exemple, juste pour nommer l'exemple en passant, mon quoi qui est un music stadium, IN, qui nous besoin de mettre un microscope. Son budget n'augmente pas à 5 millions et son date de conclusion est encore un mystère pour tout le monde. Alors, si nous avons besoin, et peut-être bon du monde qui peut attendre là, qui est occupé avec ça, pour autres connaître, qui peut dire FPSI pour mettre ça en microscope, en mesure qui nous finit certains travail qui nous gagne donné. Mais Mr. Speaker, deux derniers points. Premier point, c'est mon coin qui a besoin de plus de discipline de la part du gouvernement en termes de bills. Par exemple, mon besoin dire que ministre, avec grand désappointement, définitivement sa pension bill, nous pas capable de prendre, parce qu'il y en a quatre quelque chose là-dedans. Et l'État nous entend qui peut dire gouvernement, il fait un extraordinary cabinet meeting samedi passé, un bill qui est un projet de loi qui ministre lui-même qui est déjà mentionné dans son discours l'obédé en octobre, qui saisit là par exemple qui s'est mettre devant nous à travers extraordinary meeting, nous croyons qu'il peut dire gouvernement. Et là, mon papa blanc ministre des Finances. On peut dire que le gouvernement, en général, a besoin d'une plus active, d'une plus à l'aide. Même pareil avec tout ça, les autres bills qui viennent devant nous, qui n'a pas official gazette avec, et une seule désordre. Et nous avons fini notre travail, nous avons fini depuis la semaine passée, mais nous trouvons nous. So, alors, Mr. Speaker, je suis content de dire que ça y est quelque chose qui nous met beaucoup en phase là, et en général l'année prochaine l'ONU côté nous pour dire qui à moins qu'il bonne bill s'il passe d'un processus normal en bas standing orders, ça m'en a fait saut 14 jours après qu'il gazeté après saut ça 7 jours que nous besoin suspend standing orders. Ça y a une discipline qui nous besoin mettre vis-à-vis gouvernement. Et avec ça, Mr. Speaker, mon besoin dit ministre, mon connaît ministre exprime sa désir que tout le monde aura bi vote en faveur pour bidze. Moi va dire Mr. Speaker et moi va on est avec ministre. Pour bidze pour ministère finance qui ou occupé, nous tu n'a pas aucune hésitation pour nous voter en faveur. Paris nous tu fait le comité stage. Mais seulement, encore une fois, nous croyons que gouvernement, il y en a quelque chose pour lui faire. Et nous sentons pour dire gouvernement, il y en a un endroit côté top heavy. Côté, par exemple, dans le département Kilti, il y en a une duplication. I mean, dans le ministère de la famille, côté l'un côté, on a un groupe là qui peut regarder des enfants qui gagnent l'autre là en séparé, l'autre qui gagne l'autre là en séparé. Et il pas tombe dans le ministère de la famille. Quand nous senti qui nous est capable streamline gouvernement pour couper sa duplication, et ça va non seulement faire savings, mais ça va aussi permettre nous pour nous venir plus efficace encore une fois. Alors l'effet qu'il y a en un bon endroit quand nous pas satisfait avec quelque chose qui m'y a été, quand nous croit nous devons être couplés. Écoute, nous avons un doute qui peut dire dans certains cas, même si nous ne sommes pas capables d'identifier exactement qui est capable de pousser la vie pour bien payer. Et de l'autre côté, il y en a beaucoup de quelque chose qui nous happy avec. Alors, c'est comme si nous avons une position là. Et moi, je dis que le ministre, vous dites, oubliez pour passer, mais seulement avec tout respect de nos côtés, nous prenons une abstention. Nous pour abstenir, nous pour laisser l'autre côté gouvernement voter en faveur
pour moi j'espère résoudre pour vous en faveur ministre parce que quoi aller dans mon nom ça comme si quoi il y en a peu de doute l'autre côté moi pas connais mais définitivement nous n'avons continuer nous rôle comment ça check comment ça balance comment ça watchdog pour nous capables at the end of the day aide ministère finance dans sa gros la tasse qu'il y en a. Et moi va terminer en disant que définitivement ministre nous connaissons dire on a un gros la tasse devant vous et au besoin sacouiller un peu ou ben les autres collègues ministres. Merci beaucoup Mr. Speaker. Merci honorable. Est-ce qu'ils sont capables présent demande pièce paillette pour guide nous le vote avant nous prendre un final vote le sa bill appropriation bill pièce paillette. Par l'habitude nous dépend le roule là pour tombe nous la même nous devant. Merci monsieur speaker. Bon après-midi tout le monde honorable et bon après-midi monsieur speaker tout le monde qui l'écoute. Bill original si en somme 7,951,537,313 roupies. Et là-dedans, l'étant during comité stage comité, l'assemblée tu coupe bidze en de bon l'agent c'est bon ministère ou soit bon social programme qui en total somme 15,600,120 roupies. Alors, nouveau chiffre pour Bidze est 7,935,937,193. Existe pour noter aussi, Monsieur Speaker, il y en a une somme 96,967,729. Ça a une gain freeze. Et nous discutons avec le cabinet of ministers. L'agence gouvernement, soit un ministère, soit un département, je prépare un détail pour nous soumettre avec FPSI et qui m'ont pensé dans le mois de janvier, je vais gagner une information avec ça, je crois en Mésie, qui est une information inventée, qui est l'agence aussi, qui va avoir gagné un freeze. Merci, Monsieur Speaker. Merci, Pierre Spayet. Surtout une grande sassif, 7 billion et que Sif qui nous donne, nous avons noté. Alors, à ce point, merci encore, Pierre. Nous apprécions toujours la clarité pensée. Vous guidez nous dans nos affaires finances et comité. Et à ce point, nous prenons un vote final de sa bill et sa somme qui est proposée par. Par PS Finance, sorry, député, mon pantan ou bien, redis-moi. Ben non, second reading, even. You do not vote avant. No, second reading, yes. OK, yes, honorable commandement. Non, là, nous devons voter le second reading. Oui, merit. Non. Nous ne pouvons pas voter. Nous pouvons moi, l'impression qui nous l'ait nous fini vote le sa qui pièce paillette est présenté après là nous demandons motion pour le third reading formal reading. Ça veut dire nous fini vote pour second reading. Oui. Présent là nous vote pour bill pour sa amount. Yes. Quand nous faire là nous faire. OK, le devant du commandement. Oui, nous faisons second reading depuis la semaine passée le temps après ndi. Ça qui nous gagne comprendre. Nous dit nous pays vote pour. À présent là, nous parlons pas nos responsabilités. Oui. Pour nous voter tout third reading, pour nous faire third reading après n'a voté. Well, that's not the impression mon gars, c'est qui nous peut vote pour the amount après ça nous ou des motions pour faire formal third reading qui approuve budget. C'est ça même ça que mon père demandait. OK? Claro? Clear? D'accord. Clark? Vous voulez dire quelque chose?
Oui. Mr. Speaker, Honorable Bongalawan. Mr. Speaker, nous faisons un débat. Après qui ministre fait son réponse, nous votons. Oui. And this was the vote for the second reading. Après ça, nous entrons dans le committee stage et nous avons tout ce bon amendement. Là, présent, nous faisons the third reading on the bill as amended. You were right de la façon que tu peux dire. Yes, nous d'accord, nous prenons un vote. Claro. Mr. Speaker, on by order 71-1, in standing order, moi, move qui the appropriation bill 2018 as amended. Ça veut dire 7,935,737,193 ou puis il gagne approuvé par l'Assemblée. Mon move pour sa bill gagne li en troisième fois. Merci. Merci, honorable commandement. Est-ce qu'il gagne secondé? Bon après-midi, monsieur le speaker. Mon second motion. Merci, honorable Gil. Motion y gagne secondé. Est-ce qu'il nous a pas un vote de sa motion présent? Tout bon qui pour lève toute la main. Clark. Monsieur le speaker, 12 moments en faveur. Merci. Aucun du monde compte sa motion. Dans sa cas, sa motion is carried et moi demande Clark pour faire un formal third reading of the bill. Merci, Monsieur le Speaker. This act may be cited as the Appropriation Act of 2018. Merci. Merci, Clark. Et voilà, ministre Finance avec PS et l'équipe. National Assembly in rule le samateur. Mon félicite zot pour zot travail y continue. Nous pas payer skizou à cause nous en a encore les autres bills qui tombent en bas responsabilité. So relax, fais le effort confortable dans ces heures où on a payé le temps pour passer que nous encore. Le sapoint nous allons l'autre item le nous order paper aujourd'hui. Et mon corps, Clark, est le Excise Tax Amendment Bill? Oui? Très bien. So, pour tout bon membre de l'Assemblée et membre public qui peut écouter nous, mon signe est un comprend qui bidze ou Appropriation Bill, pareil, il est détaillé par le secrétaire principal finance, M. Payette. Il a approuvé et présent nous à l'Excise Tax Amendment Bill 2017. Mr. Speaker, par nous standing order 64-2, moi le Excise Tax Amendment Bill 2017, il a un lien deuxième fois. Merci, Leader of Government Business. Motion secondaire, Mr. Speaker. Merci. Merci, Honorable Gill, secondé. Est-ce qu'il y a sa point nous capable de demander au ministre pour présenter the Excise Tax Amendment Bill 2017? Merci beaucoup, monsieur le speaker. Et encore une fois, bon après-midi tout bon membre honorable dans l'Assemblée et tout le monde à l'écoute. Monsieur le speaker, on les présente dans l'Assemblée nationale avec l'amendement de la loi qui gouverne Excise Tax en ligne avec l'annonce qui modifie dans l'adresse budget fiscal pour l'année 2018. On tient annoncé qu'il nous révise le système tax pour rendre plus efficace et soutenable. C'est l'amendement pour Excise Tax et c'est sa première phase. Monsieur le Speaker, c'est l'amendement pour concentrer fortement le concession Excise Tax qui est applicable au carburant. En ce moment, il y en a différentes provisions qui existaient dans différentes régulations et la loi de taxes. Par exemple, Excise Tax et Trade Tax. Ça y inclut concession pour transport public, SPTC, utilité publique, POC, PCR, et ben différents acteurs dans le secteur tourisme qui bénéficient du Tourism Incentive Act. C'est l'amendement pour groupe. Dans sa bonne concession, en bas, une seule régulation pour Excise Tax par l'effet qui carburant y a tracté 10 Excise Tax comme est là.
mais avant qu'ils sont capables coupe tout ça en bas une seule concession et dans une seule régulation, l'amendement de la loi excise tax est nécessaire pour permettre une provision pour concession excise tax le carburant qui en ce moment n'a pas. Concession en bas sa régulation et qui c'est la loi pour mettre en masse pareil système actuel, ça y est un système remboursement qui pourrait être administré par la commission revenu CCL. Qui pour mettre en place un système de surveillance, le ban claim, le ban récit, invoice et bill, le l'importation carburant. Monsieur le Speaker, mon législateur fait ressortir n'a pas aucune nouvelle catégorie qui pour tomber en bas sa régulation, mais existe pour groupe autres ensemble. Pour être plus spécifique et pour l'information de l'Assemblée, et pour SPTC, PUC, la compagnie Banzil, service avion domestique et hélicoptère, concession en ligne avec ben l'agrément que le gouvernement a signé et acté dans le secteur touriste qui servit carburant pour autres opérations, telles que l'hôtel, aircraft, centre plongée, ben bateau, tour guide, yacht, cruise ship et aussi ben PC. Monsieur le Speaker, Paris m'a fait ressortir auparavant et c'est pour la première phase. Dans la deuxième phase, qui est reliée avec l'annonce, nous pouvons recevoir la concession dans le secteur touriste spécifiquement. Nous pouvons certains acteurs dans certains domaines, à cause de la majorité, ça a un certificat Tourism Incentive Act qui peut permettre d'autres gagner la concession. Nous pouvons discuter avec Sabana secteur pendant l'année 2018 et propose l'amendement dans la loi pendant la présentation budget 2019. Alors, pour permettre en concession excise tax au carburant, on présente devant l'Assemblée nationale un amendement dans la loi excise tax 2009, sa régulation pour gagner publier les temps que l'Assemblée y approuve cet amendement. Merci beaucoup, M. le Speaker. Merci, honorable ministre. Est-ce qu'il y a à ce point, il n'y a aucun, aucun membre qui a envie de faire intervention là, de sa bill? Honorable Mkalawan. Yes, merci beaucoup, Mr. Speaker. Mr. Speaker, je suis content sans l'explication que le ministre nous donne, mais vu qu'il excise taxi aussi pour l'alcool, et ça a un bon point qui nous mettait beaucoup pendant débat au budget comment un moyen pour le gouvernement ramasse plus l'argent et nous pouvons voir ça aussi comment un bon moyen pour que progressive income tax est capable de commencer plus bonheur vu qui ça va en plus l'argent. Mon pays moi ça va content demander si ministre et quoi exactement qu'ils ont pour faire avec sa bonne produit l'alcool local qui en nous a dit l'état ministère de la santé ou bien bonne concerné faire bonne visite ça qu'ils ont pu tester pas pareil avec ça qui finalement arrive au market et qui après ça il y en a une autre dépense qui vient en relation avec la santé si ils ont pour premièrement on a insister que tout bon producteur local ça bon petit la boisson qui fait du monde déguiser après dégorger si pendant je peux insister qu'il y a bonne machine bonne counters qui les temps autres production les temps peut faire autres production autres connaît exactement qui quand ces autres peut produire pour qui autres ca gagner ça assez accordingly. Il a un peu demandé qui pourcentage excise tax y augmenter ou bien alternativement si nous connaît qui vous dit pas bon pour la santé qui une fois pour tout ben test il gagne faire et qui sa bonne qualité la boisson il gagne ban dans pays ça y est et jusqu'à présent nous pas encore gagne ministère la santé pour faire une déclaration. Et vu qu'il nous peut cause le excise tax, s'il vous plaît, dis-nous exactement dans quelle direction nous pouvons aller. Parce qu'il nous pas envie,
Nous pas environ nos pays dépensent beaucoup plus l'argent. Merci beaucoup, Monsieur le Speaker. Honorable Ferrari. Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, mon écoute ministre avec beaucoup d'intérêt, mais mon besoin de mettre mon pan de suivre tout mon détail qu'il donnait dans son présentation. Si tout mon pan de suivre, ça la liste bénéficiaire, mon quoi, qui in go through. Et ça pour moi, il y a quelque chose qui est très important. Et à cause ça qui nous tient content de voir à l'avenir, c'est que nous en avons la liste qui est compréhensive, mais qui pas fait la préférence pour un d'allon, un à cause nous connaissons, nous pas connaissons l'autre, ou bien nous pouvons promouvoir un démon, nous pas promouvoir l'autre. Donc il est vraiment, vraiment très important que nous gagnions sur la liste. Et si tout qui là, mon fait quoi vous dire, corrige-moi si mon mal, ministre, hélicoptère, puis gagne une concession fuel. Mais hélicoptère n'a pas hélicoptère l'État. Quelquefois pour militaire, on ne sait pas, mais il n'a pas. Est-ce qu'il y en a un monde privé qui peut faire business, qui peut faire gagner bien d'autres la vie, qui en même temps nous pour continuer dans d'autres, ça va une concession. Donc, ça c'est une chose qui nous envie vraiment follow d'une façon très près. Alors, sans qu'il m'ont ouvert un débat ou un détail, moi, comment est mon FPSC, moi je suis content de soumettre ça avec le ministre. Qui, au moment que le ministère des Finances y engage avec mon stakeholders, mon bénéficiaire, l'eau, mon concession qu'ils ont pu gagner, moi crois que ça va vraiment approprier qu'ils ont lié, ils ont gardé FPSC bien au courant bon travail qu'ils ont pu faire pour que nous aussi nous capables un input là-dedans et pour nous capables par une nous faire pendant ça l'année 2017 nous capables venir partenaire pour eux autres et autres réfléchir leur validité nécessité sa bonne concession. Donc pour moi juste conclure en disant monsieur Speaker qui au plus vite qui possible, au plus vite que le ministère des Finances commence en gaz autre dans la discussion dans ce domaine, s'il vous plaît, en contact avec FPSC. Et à cause nous vraiment intéressés pour voir qu'il n'a pas aucun lobby dans sa section nous revenir nationale. Ça est mon point, M. Speaker, mon remercie. Merci, honorable Basil Waou. Merci, Mr. Chair. Bon après-midi, ministre de la délégation. Et bon après-midi, tout honorable et tout le monde qui peut écouter. Mr. Chair, je suis vraiment court. Je crois que l'amendement qui peut amener et pour répondre à mon conseil, honorable Ferrari. À cause de l'amendement qui peut amener, il n'y a pas aucune possibilité. Je ne sais pas de la loi. Je ne sais pas si amateur de police qui peut faire écoute, si on a une concession, soit une exemption qui peut donner en bas à la loi et un individu. Mais là, qui peut faire, il peut avoir des conditions que vous avez besoin de mettre. Aïe pour gagner concession ou soit pour gagner exempted. Il pour besoin d'une régulation qui gagne faire, ça veut dire pour gagner publish. Et nous, comme l'Assemblée, si nous voyons pour dire que c'est une régulation qui gagne faire, il n'y a pas d'après la loi, il y en a l'habi, nous pour capable revoke, cancel sa bonne régulation. Et qui nous désaffaire ça avec mon habilité pour régulation qui gagne faire par le ministère de l'Environnement. Yeah. Et deuxième condition qui pour besoin gagner satisfait, c'est qui pas juste faire régulation, mais la loi dit qu'il faut besoin de une concession, soit une exemption, besoin de l'intérêt public. Donc, il met une condition. Et il peut faire qu'il n'y ait aucune possibilité de l'habit qui a gagné, dans le sens qu'il ministre pas pour qu'il y ait une discretion pour lui dire ok, je décide pour donner sa qualité groupe, je ne pas pour donner sa qualité groupe. Il faut besoin de ça, l'État est donné, gagné guidé par l'intérêt public. Seulement si dans l'intérêt public qui a donné sa bonne exemption ou concession, et il besoin de faire ça, pas juste envoyer une lettre, informer, et qu'un dit on dit qu'il y a une concession, mais publie sa dérégulation. Ça veut dire pour ne plus individu, mais moi crois pour bonne classe of person, ce soit bonne business. So, ça la loi actuellement permet de la direction pour retirer aucune possibilité là-bas. Merci, M. Chair. Merci, honorable ministre. Nous avons trois interventions. Est-ce qu'il y en a un commentaire qu'on veut faire avant nous allons un vote pour mériter sa bill? Honorable Georges.
Mr. Speaker, I'm sorry. Moi vient pèse nous al dans ça ce comité. Alors avec vous permission avant que ministre réponde, moi va faire des petits amendements. Certainement, il y a save nous le temps. Merci, merci beaucoup. nous bon amendement mon magine ministre fini voir, il au deuxième page nous document devant nous. C'est quelque chose qui nous fait Mr. Speaker, il a demandé ministre son opinion là. C'est nous n'arrangeons un petit peu anglais dans sa petite clause D. Et en effet, nous pouvons remplacer 3 complètement à cause tiens un petit peu faute là-dedans. Par exemple, dans 3 the minister may in public interest y pas oli. Alors nous ajoutons in the public interest by regulations. Grant reduction, nous préférons mettre grant a reduction or concession on the rate of tax on any goods, nous préférons mettre on any of the goods specified et pas under, mais specified in Schedule 1. Alors nous prenons le sens d'un, c'est ce que nous prenons le sens son anglais. Et dans B, son 4 derniers mots, nous delete by amending Schedule 2. À cause de cette façon, pour le ministre, grant an exemption. Le tax c'est by amending Schedule 2. Il n'y a pas l'autre façon pour faire. Il y a que Schedule 2, il dit lui-même lui qui a amendé par un ministre à n'importe quel moment. Alors nous trouvons que ça c'est un surplus to requirements. Voilà bon amendement qui nous peut proposer as the Bills Committee, Mr. Speaker. Merci Honorable George. Comme chairman, évidemment, on peut causer comme chairman Bills Committee. Ministre, on a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Speaker. Pour une réponse à l'honorable Kalawan, on croit que c'est un point très valable. Et comment on lève sa question, comme si on croit que tu peux lire nos stratégies qui nous peuvent faire dans le ministère des Finances. C'est réellement, on peut réviser sa excise tax. C'est tout son framework à cause nous aussi nous concerne. Il y a une responsabilité qui vient en l'air de nos épaules et dans nos esprits tous les jours pour imaginer qui sont les packs, ça m'a un produit local qui a besoin peut-être un plus beaucoup standard qui nous pas connaît pour l'instant. Et là nous avons confirmé avec nous puis si regarde bonne source matériel que j'ai sorti l'équipement et CVS, BSS et Customs pour voir comment il nous arrête une telle situation parce que nous aussi nous concernons pas ça et nous aussi mettre l'emphase dans les labeling qui est tellement très important pour nous capables de connaître qui contient sa bonne l'alcool ainsi de suite. Et après tout pareil comme on dit c'est une façon pour nous considérer raise un peu revenue à travers enforcement qui peut-être est un peu plus sérieux et peut-être pour décourager sa bonne production production locale. Et côté concerne l'honorable Ferrari, bon quoi, mon capaché avec l'honorable Ferrari, encore une fois un très bon point, c'est que nous avons la liste ici, si possible, après nos séances l'après-midi, on va faire gagner une copie. Même dans coffee break, n'a pas de problème. Et quand il concerne nos suggestions pour nous être un peu plus proactifs, pour travailler un peu plus de collaboration avec FPSC, on a garanti où, c'est que l'année prochaine, nous avons besoin de strengthen sa collaboration plus proche. Quand nous n'avons pas besoin, par exemple, comme on peut dire, par exemple, l'honorable Kalawan dit que FPSC vient de Paris et mortuary qui besoin faire post-mortem. Et côté concerne l'honorable Wao, mon quoi, on va prendre en considération ou suggestion, il est très valable encore une fois. Et côté concerne l'honorable Zoz, comme l'habitude, on suit vous tellement au débat dans l'Assemblée, mon quoi, on perfecte ça en anglais, et nous fiers ça, on va faire. Merci beaucoup, l'honorable Zoz. Merci, ministre, pour ça. Il
dans rive sa point côte nous point vote le mérite sa bill et l'amendement proposé par le chair bills committee tout bande qui pour lève toute la main. Clark. Monsieur le Speaker, 28 membres en faveur. Merci. 28 membres en faveur, ça veut dire l'Assemblée n'approuve ça, mérite un amendement qui est proposé. Je demande Madame Clark pour faire un deuxième formal reading de sa bill. Merci, Monsieur le Speaker. A bill of an act to amend the Excise Tax Act, cap 264. Merci. Merci, Clark. Est-ce qu'il nous sent si nous besoin le comité ou bien nous capables ou d'émotion pour nous à droite le third reading? Monsieur le Speaker. Honorable commandement. Monsieur le Speaker, en bas l'article 91.1, nous standing order, mon les mots, pour suspendre l'article 65 à 70, nous standing order encore, pour sauter stage comité Sabine, l'effet qui n'a pas, l'amendement qui nous a fait, il y a un sept amendement et qui ministre n'a accepté. Merci. Merci, honorable. Honorable Gill. Motion secondée, Monsieur le Speaker. Merci. Merci, honorable Gill. Et avec ça, nous capables de tomber d'accord et point vote. Oui, oui, c'est ça. Moi, c'est quoi, vous pouvez signaler, moi, dis-moi, pas lève mon nom. Hein? Tout le monde qui est d'accord que proposition, motion et qu'on est secondé, lève votre la main. Clark. Monsieur le Chair, 26 moments en faveur, merci. Très bien, et avec ça, je demande Madame Clark pour faire un formal third reading of the bill. Motion pour faire. Oui, honorable de commandement. Monsieur le Speaker, en bas de 71.1, standing order, mon move qui excise tax amendment bill 2017, as amended, il a dit une troisième fois. Honorable Gill. Motion secondée, Monsieur le Speaker, merci. Very good, merci. Est-ce qu'il est capable de prendre un vote? Tout le monde qui pour sa motion, lève-vous de la main. Monsieur le Speaker, 28 membres en faveur. Merci. Merci, Clark. Et avec ça, nous demandons pour faire un formal third reading of the bill. Merci, Monsieur le Speaker. This act may be cited as the Excise Tax Amendment Act of 2017. Merci. Bon, merci, ministre, avec l'équipe. S'il n'y a pas aucune objection, on va continuer tout de suite pour nous à l'autre bill, which is the Customs Management Amendment Bill 2017. Honorable Ramkalawan. Monsieur le Speaker, c'est ça, on a l'eau là, parce qu'on peut regarder la vitesse qui nous peut aller, parce que c'est un petit bill, où tu peux nommer ministre Solalan, peut-être ça, bon, j'ai avec les vinicateurs. Non, mon d'accord, tout à fait. Actuellement, je ne demande pas d'autres opinions. Clark, peut-être, nous avons qui nous a demandé pour venir, à cause de nos avis, c'est fini aujourd'hui. Et ben les autres bills, ministre, là, je vais appeler vite. So, avec l'agrément de tout le monde, faire ministre Lalande venir comme ça qu'il nous connaît. Là, nous finissons avec bon bills, nous avons pour son statement. OK? Tout le monde est d'accord. Allô, nous avons le Customs Management Amendment Bill 2017. Émotion. Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, en bas order 64, nous standing order, money move, qui est le Customs Management Amendment Bill 2017, qui est une deuxième fois. Honorable Gill. Motion secondée, Monsieur le Speaker. Merci. Merci, Honorable Gill. Ministre, est-ce qu'il est capable d'inviter tout présent pour présenter sa bill devant l'Assemblée? Ministre Larose. Merci beaucoup, Monsieur le Speaker. Encore une fois, il y a l'honneur pour moi de présenter Customs Management Amendment Bill. Et avec nous, l'Assemblée, dans la loi qui gouverne aussi la Commission Revenu, Cécile, et les autres, la loi nécessaire pour prendre en considération le bon changement de structurisation customs et taxes domestiques. En 2008, avant que la loi Seychelles Revenue Commission Act 2009 s'y passe, division pour customs est une entité indépendante qui veut dire son opération est autonome avec division business tax.
sa deux divisions qui sont dirigées par deux différents commissionnaires et qui rapportent directement avec le ministère des Finances. En ce moment, position plus haut dans la division Customs et ses assistants commissionnaires Customs qui sont responsabilités, pardonne-lui, l'autorité nécessaire pour prendre décision administrative pour sa division. Ça, il fait qu'il va travailler dans la division, il sentit qu'il va concerner l'administrative division Customs, pas pour qu'on voit comment est priorité par la commission revenir. En retour, ça y affecte les autres performances comme une division qui en a potentiel pour faire un travail plus effectif. En telle situation, il a aussi contribué pour l'absence qui a créé certaines difficultés morales pour les travailleurs qui ont trois autres, pas pour regarder bien leur travail. Et ça y en a un effet en l'air, là, ça travaille pour qui et importe qui est tellement très important dans nos pays. Prenant en compte sa bonne concerne, le gouvernement peut proposer qu'il y ait une nouvelle structure, une défaillance administrative dans la division Customs, il gagne adressé et donne aux autres plus l'autonomie. Ça, l'amendement est en lien avec nos démarches pour moderniser la fonction de nos divisions Customs et faire les plus efficaces. Monsieur le Speaker, alors je présente l'Assemblée nationale cet amendement dans la loi Customs Management Act 2011 aux autres considérations. Merci beaucoup, Monsieur le Speaker. Merci, ministre. Est-ce qu'il n'y en a aucun du monde qui a intervenu? Sinon, est-ce qu'il nous capable de Oui, honorable, sorry, honorable chair of the Bills Committee. Oui, Mr. Speaker, un petit, des petites paroles, en effet. Comment vous avez voir les autres papiers devant vous, nous vous proposer un minor amendment, appointment, pour une appointment, à cause d'un appointment qui est fait en bas section 3. Et deuxièmement, c'est pour fait l'Assemblée remarquer le clause 4, le sa document qui est devant nous, le sa amendement qui est devant nous, il y en a quelque chose de très intéressant. Et ça, c'est que le Customs Management Amendment Bill, pape sans 10 lui-même, il pape sans 10 Customs Management Act, mais il pape sans any other written law. Alors, il y a un phénomène intéressant. It's not wrong, mais it's not common. Mon business fait ça comme un parenthèse pour nous voir qui est la loi Customs, mais sans et ben les autres séries de la loi, côte Assistant Commissioner of Customs, il a mentionné. Merci. Honorable Waro, Honorable Basil Waro. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair de l'année, qui Honorable Joseph fait clivé. En effet, il est vrai, et les temps qui étaient, en effet, les temps qui étaient sabiles, il dit où, il dit où, un acte, to amend the Customs Management Act 2011. Mais seulement, sa clause qui peut proposer, clause 4, lui peut amendre tous les autres la loi contre référence qui a fait. En effet, Mr. Speaker, Mr. Chair, il nous pouvoir plus tard, même Social Revenue Commission Act, il y a le même issue. Il y en a une solution pour ça, Mr. Speaker. Solution généralement, c'est qu'en bas, en section 39 of Interpretation and General Provisions Act, il dit que comme ça pour dire, les temps et la loi, ils passent et ils sont cite l'office, par exemple, là, qui nous peut faire, quand nous peut sans from Assistant Commission of Customs to Commissioner for Customs, après qui ça a été demandé, président, il se fait sortir une notice dans la gazette. Quand la président dit, en vie qui n'a pas l'amendement, dans aucun la loi, quand l'officier quand il fait référence avec, son, ça aussi quand il sensé. So, au lieu de sensé dans un acte, il devrait être, la meilleure façon, c'est quand il fait en bas section 39 of Interpretation and General Provisions Act. Laissez-nous, on propose qu'il nous delete ma clause 4 completely. Et après que ça acte est passé, le président a servi son pouvoir qui en a en bas sa section 39 et il a fait sortir une notice qui a été publiée de gazette. C'est ça qu'ils m'ont proposé.
Merci, honorable Waro. Est-ce qu'il honorable Waro dit quelque chose? Bien, laisse le ministre faire commentaire de ça. Tout c'est meilleur, mais nous, hommes, Mr. Speaker, nous. Il est différent la route. Pour ça qu'il y a un vieil rond. Pas arrive même l'endroit. Sorry, no absurde. Ministre, pardon. Ministre, vous voulez faire commentaire. Merci beaucoup, Monsieur Speaker. Monsieur Speaker, je crois que l'Assemblée blesse avec tous les legal brains. Peut-être qu'il faut en un peu plus aussi là. Et moi, les autres débattent les autres amendements. Et ça, c'est juste beyond my compréhension. Merci beaucoup, monsieur. Merci, ministre. Mais moi, tous les deux avocats, ils disent, balance la tête, ils disent oui. Alors, est-ce qu'ils sont capables de tomber d'accord qui nous prend un vote, le mérite? Il y en a un petit monde qui est posé? Sorry, oui ou non, Absorz? Non, Mr. Speaker, moi, nous besoin de tomber d'accord, le. La proposition de l'honorable Waro qui nous délite clause 4 complètement et qui, président, va faire sortir une notice. Sa proposition est devant nous et moi, mon pari pour supporter. Seconde, pour supporter. À cause, il plie normal, il plie habituel. Ok, ben voilà, je ne crois pas qu'il n'y a aucun débat là. Proposition par honorable Waro, supportée par honorable Zoz, ministre, il nous comprend qu'il y a OK que ça, pas son domaine. Alors, si ça y est OK, nous sommes capables de prendre un vote, le mérite bill avec cet amendement proposé par honorable Waro. Tout le monde qui pour, lève toute la main. Clark. Monsieur Speaker, 25 moments faveur, merci. Combien, sorry? 25. 25, ok, très bien. Est-ce qu'ils sont capables de demander, Clark, alors, pour faire un formal second reading of the bill? Merci, Monsieur Speaker. A bill of an act to amend the Customs Management Act of 2011, merci. Merci, Clark. Est-ce qu'ils nous l'ont à l'Ostase Comité ou bien nous skip? Si oui, moi, demande une motion. Oui, on aura des commandements. En bas de 91, mon mot pour suspendre l'article 65 à 70, nous standing order pour nous sauter ce comité s'habille, le fait qu'il n'a pas aucun major amendement. Merci. Merci, on aura des commandements. On aura Gil. Motion en seconde, monsieur le speaker. Merci. Merci, on aura Gil. Est-ce qu'il est capable de prendre un vote sur sa motion as proposed by LGB? Tout le monde qui pour, lève la main. Clark. Monsieur Speaker, 24 moments faveur, merci. Très bien, et bill est passé. Moi, capable de demander Madame Clark pour faire un formal third reading of the bill. Motion first, Monsieur Speaker. En motion, sorry, oui. En bas order 71-1, standing order, Monsieur Speaker, mon move qui the Custom Management Amendment Bill 2017 as amended une troisième fois. Merci, honorable Gil. Motion secondaire, Monsieur Speaker. Très bien, merci. Tout le monde qui supporte la motion, lève votre main. Monsieur Speaker, 26 moments faveur, merci. Très bien, merci. Je crois qu'on peut aller vite, peut-être moins on peut aller trop vite. Clark, nous demandons pour lire un formal third reading of the bill. Merci, Monsieur Speaker. This act may be cited as a Customs Management Amendment Act of 2017. Merci. Merci, tout le monde. Ministre, évidemment, au bill in going approuvé. Et nous avons tout de suite l'autre bill qui est devant nous. C'est le Seychelles Revenue Commission Amendment Bill 2017. Est-ce qu'ils sont capables de gagner une motion, honorable Koumamon? Mr. Speaker, on va order 64 to the standing order. Mon les move qui the Seychelles Revenue Commission Amendment Bill 2017 gagne une deuxième fois. Merci, honorable Gil. Motion seconde, Mr. Speaker. Merci. Merci, honorable Gil. Ministre, est-ce qu'ils sont capables de demander vous présente Seychelles Revenue Commission Commission Amendment Bill 2017, Ministre Laouz? Merci beaucoup, Monsieur le Speaker.
on les présente avec nous l'Assemblée proposition amendement dans la loi Seychelles Revenue Commission et l'amendement d'instructie administrative, customs et taxes domestiques. Avec l'introduction de la loi Commission Revenue pour Seychelles, un nouveau structure qui est mis en place, qui fait provision pour appointer un commissionnaire of revenue. Bonne responsabilité, sa commissionnaire tient lui son rôle comme un chef exécutif ou responsable pour gérer sa commission et administrer la loi revenue. En plus, sa commissionnaire est responsable pour rapport avec le ministère des Finances. Sa la loi qui aussi fait provision pour appointement un député commissionnaire revenue appointé par le président de la République. Monsieur le Speaker, avec nécessité pour faire changement dans structure, recherche qui gagne faire pour identifier les autres modèles crédibles dans performance commission revenue dans les autres pays, Paris, Maurice et Rwanda. Modèle Sud-Afrique et Kenya qui aussi gagne servi pour faire comparaison dans nos recherches. Avec ça, nous pouvons proposer qui modèle plus approprié dans le contexte social, qui la loi Commission Revenue Social et les autres la loi devant relevant a gagné amendé pour inclure l'établissement un board of directors. Monsieur le Speaker, pour permettre une nouvelle structure pour Commission Revenue Social, l'amendement de la loi revenue est nécessaire. Post-commissionnaire Revenue Social ou gagner amendé comme Commissioner General. Son député pouvait aussi député Commissioner General. Additionnellement, sa nouvelle structure pouvait appointement Commissioner Customs et Commissioner Taxes Domestiques. On les fait ressortir qui sa changement, pas pour sans considérablement comme un nouveau poste. Mais plus l'amendement dans titre et responsabilité sa bonne position qui est en place. Côté concerne composition sa board qui pour gouverner par Commissioner Revenue Cécile pour un chairperson par l'effet qui bonne policy taxe domestique y tombe en bas porte pour le secrétaire principal pour finance et aussi pour assise le board comme un membre ex-officio. Même situation y applique pour Board Customs, secrétaire principal pour commerce, pour assise les autres board comme un ex-officio. En plus, commissionnaire général ou les autres board comme un ex-officio. Pour aussi en un individu qui spécialise dans affaires customs, expert dans taxes domestiques, un économiste, un auditeur ou accountant, tout membre pour gagner appointé par le président de la République. Monsieur le Speaker, on les souligne qu'il s'agit d'une personne et de vrai individu qui a la qualification et l'expérience des affaires revenues, taxes et customs, un monde avec intégrité qui n'a pas affiliation politique. L'appointement de membre est pour 3 ans et ils sont capables de considérer pour réappointement. Pour faire travailler sa board, c'est un employé commission revenue Cécile qui pour gagner sa responsabilité et pour gagner déterminé par membre board suivant recommandation par commissionnaire général. Monsieur le Speaker, fonction sa board pour comme suivant. Appointe bons officiers compétents d'opposition clé de l'administration, commission revenue Cécile qui pour décharger sa fonction, sa commission. Appointe bons sous-comité qui pour décharger responsabilité spécifique dans l'administration, sa commission, qui inclut ban membre board et aussi ban expert nécessaire, l'est possible. Donne guidance et direction l'OINCISE qui relie dans le déroulement sa commission avec commissionnaire général et secrétaire. Expecter et demande l'information ou bien document dans n'importe qui façon à disposition commissionnaire général ou bien staff commission pour sa bonne travail. Monsieur le Speaker, voilà l'amendement qui m'ont présenté devant l'Assemblée nationale dans la loi Commission Revenue Cécile pour l'année 2009. Merci beaucoup, Monsieur le Speaker. Merci, ministre. Avant de décider si vous prenez un break ou bien non, nous avons à part Chairperson Bills Committee, s'il y en a les autres qui ont intervenu.
OK. Dans ce cas, peut-être il y a plus qu'un dimanche. Peut-être nous avons un break parce que 4h-20. Nous avons un break. Et le ministre Lalanne est arrivé. Mais pour la 4h. Mais si moi je les conseille, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il nous conseille pour finir ça? Oui, honorable Brea. Merci, Monsieur Speaker, pour pourquoi cause du tout aujourd'hui. Cause. Vous êtes ciseré, on a fini avec le ministre du tourisme. OK. Right. Après, on a pris un short break, and then we'll call in Minister for Tourism. Minister Finance. Minister Finance, I mean, sorry, Minister Rose. Nous finissons avec Minister Finance, then we'll take a short break, après, nous retournons pour le ministre du tourisme. Mon suggestion. Mon n'a pas, bon suggestion, mon n'a pas problème avec ça, il peut avoir un ministre finance, moi aussi, monsieur ministre Lustolalan, pour moi, j'espère un petit moment, qui les autres m'ont mis senti, honorable Pilé. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as a compromise, mon intervention will be very short. OK. Ça veut dire qu'il va rester this chairman du committee après qu'il va venir à l'amendement. All right. Honorable Afif après, bien entendu, au premier, short. Après Honorable Afif, après Honorable George. Allez, go ahead. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mon poil, de droit, l'OSA issue qui concerne moi, nous sommes dans le committee, il concerne the functions of the board. Il y a une section qui dit the board may appoint such number of officers in managerial positions. Qui m'a dit de gagner comprend from ministère de finance? Qui m'a dit ça pour moi, c'est de son application lui-même, à cause de qui on a un commissioner général, qui est supposé en salle d'endroit, et là c'est board qui peut apprendre bandes officiers de bandes postes managériales. Et sa bonne pose, je ne peux pas dire que ça avec fonctionnement sa board, je peux aussi dire avec, d'après ça la loi, mais il peut dire que fonctionnement sa commission. Donc, mon lésis, c'est clair qu'ils ont pris en considération si vous n'avez pas aucun manichou territorial qui arrive parfois devant une organisation publique, quand lundi, vous dites que vous n'avez pas apprêté par board, pas aucun appointement. Donc, okay. Monsieur le ministre financier, il fait clair ça. En ce qui concerne l'amendement, qui est comme il dit, honorable Joseph Pastalès, si aucun issue, n'a pas step in. Merci, honorable. Honorable Bafif. Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, mon petit lésis, qui m'a dit l'amendement, il peut aller dans une bonne direction. Pour la simple raison qu'ils ont établi un board qui pour vraiment un oversight SRC. Nous voyons récemment, quand nous avons fait l'audit de l'SRC et même le statement qu'il a fait par le ministre lui-même, que SRC est un gros l'argent qui est parti collecter. Et juste pour l'information publique, SRC est l'organisation qui peut collecter 7 000 millions de roupies. Tous les années, qui veut dire à peu près 19 à 20 millions de roupies tous les jours, si vous mettez samedi et dimanche tout. Mais il y en a l'organisation qui, dans cette assemblée, nous n'approuve pas de budget pour 3 millions, 4 millions de roupies, vous avez un board. Sans rien collecter 20 millions de roupies par jour, il n'a pas un board. Et moi, quoi, moi, hier, ça board, il y a une structure avec un chairman, PS Finance, un responsable qui comprend finance, etc. Il peut permettre à l'organisation en un plus bon focus. Il peut permettre aux autres capables de veiller un petit peu qui peut passer, prendre conscience que tout le monde peut veiller. C'est l'argent de l'État qui peut amasser, les autres presque c'est les bras qui peut amasser l'argent de l'État. Et alors, là, on a un groupe de monde qui n'est pas grand, là, on regarde cet amendement qu'il mettait. Je crois qu'il y a une bonne chose pour ceci, nous perdons dans la bonne direction. Et là, restant un bon amendement qui peut sans nom, titre pour une contrôleur général, etc. Mon content avec. Je crois que nous perdons dans la bonne direction, M. Chairman. Merci. Merci, honorable Afif. Honorable George. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, moi, je vais direct d'avoir un amendement. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout bon amendement, il a un papier devant tout bon membre et ministre. Dans une copie. Brièvement, nous commençons avec un premier série amendement dans clause D, B, 3, en bas page 4. Et si nous voyons dans sa trois premiers, A, B, C, c'est quelque chose que nous pouvons faire, nous pouvons ajouter The. So, the chairperson, the principal secretary, and the principal secretary. Après, nous pouvons proposer qu'il taxe dans I. Il n'a pas un capital T, mais il y en a un petit T à cause customs, c'est avant lui.
il y en a un petit lipte. Oui, en effet, l'honorable, on imagine hein, qui customs, qui doit y avoir plus de taxes, qui taxes, alors qui doit customs devoir être ici. Mais on nous met tous les deux, petit petit. Dans clause 4 qui suit, nous préférons break up sa clause à cause de différents. Il y en a 4 end là-dedans, et il fait l'ILO, l'ENOU, alors nous proposons l'IPAREIL ou l'OPAS, nous gardons exactement même critère pour sa chairperson, sauf que nous mettons les présents ABC dans une façon qui il y plie bien. Dans clause D6, le sens même ça passe, nous peut proposer dans quatrième la ligne sa clause au lieu « and shall be eligible for reappointment ». En effet, ça c'est une correction qui nous fait chaque fois et malheureusement, legal draftsperson jamais retenu li et retourne avec même phrase. Ou pas capable de dire « the appointment shall be for a period of 3 years and shall be eligible for reappointment ». À cause « the appointment is not reappointed ». Alors nous ajouté « and the chairperson and the members shall be eligible for reappointment ». Et nous espérons que ça c'est la dernière fois qu'il nous besoin de faire sa correction, Mr. Speaker. L'opale 6, clause 10, nous peut faire li clair. Et si nous pouvons expliquer à cause, si nous avons le paragraphe 11, nous allons voir qui c'est. The chairperson qui preside a meeting board et si absent, bon membre y électe un membre pour une chairperson. Avec ça en tête, si nous retournons le numéro 10 et nous regardons, il était comme là. The chairperson et trois les autres membres qui ont pour former un quorum. Ça veut dire que chairperson a pour besoin là, même si il n'est pas là et il est remplacé par un autre. Alors pour retirer sa l'ambiguïté, nous l'ai ajouté the chairperson or the member elected in accordance with subsection 11 and three other members will constitute the quorum. D'une façon qui, si sa chairperson pas là, c'est sa demande qui peut chair dans son place avec trois les autres qui peut faire un quorum. Dans clause 12, il y en a he or she qui en plus, nous pas besoin de ça he or she. En effet, il pas fait aucun sens. Alors nous peut retirer, nous peut proposer retirer. Pour Lily, the chairperson or any member who has a direct or indirect financial, personal or other interest, which is or is to be raised at the meeting of the board, shall as soon as. Nous pas besoin de répéter he or she encore. Dans clause 16, en bas, page 6, meetings of the board at such a place et non pas on such a place. Next, c'est dans clause D, si, sa nouveau section 3A qui peut être proposée. Nous peut proposer un amendement pour faire les plus jolis. Au lieu pour le moment, the board may appoint such number of officers in the managerial positions on a fixed term performance contract. Nous préférons dire in the managerial positions on a fixed term. In managerial positions on fixed term contracts. Performance, il pas un quelque chose pour la loi. Ça, c'est sa contrat qui va performance-based. La loi n'a pas besoin de faire sa spécification, selon nous. Dans clause, dans même section, nouveau section 3A, ça voici le subsection D, quand il mettait, l'intention là, c'est qu'il board, il a gagné à pointer en dehors commission.
s'il n'a pas suffisamment membres compétents dans la commission, ils ont mis le general public de nous préférer mettre outside the commission. Même l'intention, mais il est plus bien. Que the board shall make appointments, et pas subsection 2 et subsection 1, alors nous corrigeons ça, from outside the commission, au lieu from the general public. Next, subclause 3A3, nous avons besoin, nous avons proposé vili complètement. Ça, c'est une bonne clause quand l'air ou mettre un subsidiary clause dans mauvais endroit ou sans son nom. Et fait, moi, Mazinin, avec vos permissions, Mr. Speaker, un signe qui m'ont dit, une fois, le bord de ses mains, Uganda, que ce qu'ils ont envie de dire, c'est protect yourself and your family from AIDS. Ce qu'ils ont mis en effet, c'est protect yourself from AIDS and your family. Et c'est exactement même quelque chose qui nous voit là. Alors, ce qu'ils nous fait, nous prenons son deuxième bout, nous n'avons rien en l'air. Nous prenons sans rien. À cause, une fois qu'ils ont signé l'explique board, la présence qu'ils ont expecté, ils ont expliqué lesquels qui peuvent consist of the board. Alors, nous proposons sa formule qui nous mettez l'eau nous passe. The board may appoint such subcommittees consisting of one or more members of the board, one or more officers of the commission, and such other experts as are deemed necessary for the efficient administration of its functions. Selon nous, il est beaucoup plus bien. Nous allons pas 8, sa subclause 5 en l'air. Côte, il mettait the board may call for any information from an officer, mais il pas mettait lesquels sa officer. Nous présumons que c'est un officer of the commission et non pas un officer from un autre ministère ou bien l'autre endroit. Alors, nous les ajoutons of the commission après un officer pour faire les clair. Et finalement, dès les autres petits amendements, dans clause 2i, le même passe, là, il y en a un peu quelque chose, un peu substantiel. Encore une fois, ça qui mettait là comme est là, c'est by repealing in section 9 the word minister and substituting therefore the word board. Nous nous proposons un suggestion différent pour mettre subject to subsection to section 3A qui nous fait voir and the approval of the board the commissioner general may. Et même affaire, mais cette fois-ci il besoin approval of the board et subject to sa section qui fait gagner introduit. Et finalement, dans savings, le même page, clause 3, des fois, Revenue Commission, c'est un mot Seychelles devant lui. Pour lui, the real name is Seychelles Revenue Commission. Pareil, nous voir le titre, son bill, lui-même, which is the Seychelles Revenue Commission Amendment Bill. Sa bonne suggestion, sa bonne proposition amendement, nous met devant ministre, il sorti côté Bills Committee. Merci, Mr. Speaker. Merci, Chair of Bills Committee, Honorable George, Honorable Pillet. Oui, Mr. Speaker, pour nous être consistants, pareil, nous faisons avec ça la loi qui previously pour Customs. Il y en a sa section 4 encore, qui lit papier amendé 10 à la loi et bien amendé tous les autres la loi. Encore une fois, nous devons être ici, encore une fois. Merci. OK. Est-ce que le ministre avec ou des PS Mango, PS Payeti, confortable avec son amendement proposé par Bills Committee? Ministre? Merci beaucoup, Monsieur Speaker. Naturellement, ce qui est pour rendre réponse à l'honorable Sébastien Pillet, mon père, à cause de bonne gouvernance.
et ça me croit vous dire il y a un impact très important. Et encore une fois, concernant l'honorable Afif, il est aussi d'accord avec la bonne gouvernance. Et je crois que ça, c'est la bonne direction que nous avons besoin de suivre. Nous ne sommes pas capables de dire que nous avons besoin de bonne gouvernance, la transparence et rendre compte. S'il y en a un bout qui manquait dans sa phrase, et je crois que nous avons besoin de suivre. Il est tellement bien parce que la gouvernance, qui y en a un effet. Tellement la fin de la journée, qui manquait l'argent public qui gagnait servi. Et quand il concerne l'honorable Zoz, encore une fois, l'honorable Zoz, merci beaucoup pour ban éditorial. Merci. Merci, ministre. Si tout le monde est d'accord avec ce bon amendement, nous sommes capables de prendre un vote, le mérite sa bille avec ban l'amendement as proposed. Tout le monde qui pour, lève de la main. Clark. Je speaker, merci. 27 membres en faveur. Merci beaucoup. 27 membres en faveur. Est-ce qu'il est capable de demander au clerk pour faire un formal reading, a second reading of the bill? Merci, Monsieur Speaker. A bill of an act to amend the Seychelles Revenue Commission Act, cap 322. Thank you. Mon capable, si j'ai nous continuer un petit coup pour nous finir avec ça, après, avant nous prendre un break. Mm-hmm. Yes, so, honorable de commandement. Yeah, Monsieur Speaker, en bas de 91-1, nous sommes en ordre de mon émo pour suspendre l'article 65-70 pour nous sortir du comité de sa bille, le fait qui, quand même, tient un état, amendement, mais majorité, ben, c'est pas amendement, merci. Honorable Gill. Motion seconde, Monsieur Speaker, merci. Merci. Est-ce qu'il nous est capable de prendre un vote sur sa motion? Tout le monde qui pour, je propose by LGB. Lève la main. Monsieur Speaker, 25 membres en faveur. Merci. Merci, Clark. Est-ce qu'il est capable de gagner une motion pour faire un formal third reading? On a oublié comment, maman? Monsieur Speaker, by order 71-1, nous standing order, money move, que the Seychelles Revenue Commission Amendment Bill 2017 has amended. Il gagne la troisième fois. Honorable Gill. Motion seconde, Monsieur Speaker. Merci. Merci, Honorable Gill. Tout le monde qui pour, lève de la main qui pour sa motion. Monsieur Speaker, mon record 26 membres en faveur. Merci. Très bien. Bill as amended goes through. Et moi demande Clark pour faire un formal third reading of the bill. Merci beaucoup, Monsieur Speaker. This act may be cited as the Seychelles Revenue Commission Amendment Act of 2017. Merci. Merci, Clark. Est-ce qu'il m'a pas proposé qui présent? Nous allons quoi qui ministre la aussi de ça là avec nous ministre Lustola là n'est arrivé nous n'a pas un break nous voulons nous continuer nous pas encore nous fini d'accord ok n'a pas problème pas problème et alors nous allons prendre next clerk is income and non monetary benefits is that it ok nous allons prendre l'autre bill je crois il y a bien une bonne idée nous fini après nous faire. Pardon? Nous pas petit break. Ou l'aime si break? Moi, n'a pas de problème. I'll be guided by you. The old horse is not tired. Donc, l'aime un petit break? Yes? Okay, Clark, he says, always listen to the voice of a woman. Clark, il dit, tiens, bon, un petit break. Nous n'a pas un break. Nous retournons 4 et 1/4.